Salut les zozos, nous revoici sur la map Puzzlemania pour le deuxième épisode. Alors, où est-ce qu'on en était? Oui, nous avions cette petite dalle devant nous, on venait de terminer le puzzle qui se trouve derrière moi, là, qui était un petit peu un résumé. On va remettre les ATH, voilà, qui était un petit résumé de tout ce qu'on avait fait. Et on continue avec la prochaine plaque. Pas mal, vous devenez bon à ce petit jeu-là. Mais ne soyez pas trop plein d'espoir, ça n'était que les premières chambres après tout. Elles deviendront beaucoup plus difficiles plus le temps avancera. Et on est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on est de beau? Qu'est-ce qu'on est de beau? D'accord, dernière plaque, prochaine plaque. Allez, c'est parti, puzzle 5 sur 15. Ah, c'était pour clair mon inventory, pour éviter que je récupère des choses. Alors, on est parti, qu'est-ce qu'on a? On a notre petit système habituel ici, où on balance une slime ball. Un bloc de lapis lazuli, donc ça c'est pour les leviers si je ne m'abuse. Hop. Voilà, trop facile. D'accord, il doit y avoir... Je sais pas ce que ça peut être ça. Ok. Ok, 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 ok. Donc là, on est bon. On va acheter ça, on va voir un petit peu où ça nous mène. Ah ah! Je me demande si j'aurais pas dû prendre la slime ball. Non, j'avais pas besoin. Comment on fait? D'accord, levier. Donc ça c'est pour le machin d'en dessous. Jusque là, on est pas trop mal. Donc ça, ça m'a ouvert celle-là. Là, j'ai besoin de la slime ball. On y retourne. Ok. Ok, ok. Hop. Parfait. Ça a ouvert au-dessus. D'accord, mais comment? Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour monter là-haut? Ceci, monsieur dame, est une très bonne idée, une très bonne question. Ici, j'ai mis la slime bomb. Si je l'enlève, je suis pas bon. Ici, j'avais de l'eau, mais j'avais rien de particulier là-haut, hormis... Ouais. Est-ce qu'il y a un truc particulier utilisé ici? Comment ça marche? Là, j'ai rien. Ok. Ok, je peux pas monter sur la porte. Non, parce qu'on sait jamais, hein, après tout. Ici, de toute façon, je peux même pas récupérer la slime ball. Donc, a priori, c'est pas ça. Au moins que j'ai besoin du... Mais non, maintenant que je l'ai posé, je suis même pas sûr de pouvoir le récupérer, moi, le machin. Ouais. D'accord. J'avoue que je suis un peu bloqué là. J'avoue que je suis un peu bloqué. Il doit y avoir un truc que... Soit une mécanique de jeu que je ne connais pas. Soit un truc qui m'échappe. Attendez, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà lui? Ok. Ok. Et ben, on va chercher ça.
On va chercher ça et puis on se voit tout de suite, hein? Tchou! Et re les oiseaux, donc effectivement c'est une mécanique que je ne connais pas, enfin du moins que je ne connaissais pas parce que maintenant je le savais, je le connais. Donc il s'agit d'une porte en bois, par conséquent on peut en se mettant juste ici, regardez bien le bug, vous ouvrez la porte, vous sautez et vous vous retrouvez tout en haut de la porte, on peut grimper dessus. Bon bah voilà, hein, comme ça je le saurais, hein, on est bon. Hein. Plaque. Inventory cleared. Ok, prochaine plaque. Félicitations pour avoir réussi cette pièce. Pour fêter ça, je vais vous permettre de voir l'extérieur pendant la prochaine salle. Regardez bien autour de vous. Ok, donc on devrait pouvoir aller dehors. Tiens donc, c'est intéressant. Minecart, d'accord. Push to summon marque Minecart. Ok. Plein de petits machins. D'accord, donc il faut qu'on crée un passage pour le minecart qui va arriver d'ici. Donc ça déjà, on l'enlève. J'ai vu des plaques par ici, non? Ici, 1, 2, 3, d'accord. Bon, on va commencer par celle-là. Hop. Voilà, là ça va aller tout droit. Ici ça va tourner à gauche. Toc 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 toc. Ouais, on est bon là. Là on est bon pour le premier. Allez, c'est parti. Bonjour. Voilà, vas-y, avance. Avance, j'ai dit. Voilà, la première, on est bon. Mais non, pas bouge. Qu'il est con. Allez, on va par là. Allez, maintenant on y retourne. Hop. Ouais, c'est ça. Il y en a une tout au fond là-bas. Super. Au retour, je veux que... Voilà, on reparte par là. Comme ça. Oh. Merci. Allez, pousse, minecart, pousse. On est à deux. Pousse, 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 pousse. Trois. Il m'en manque une qui doit être là. Donc pour y aller, hop, il faut qu'on remette ça comme ça. Ça va me faire aller là. Là. Elle est où ma belle plaque? Elle est là. Alors j'ai dit quoi? Là, là, fuite. Fuite. Et là, je suis sur ma belle plaque. Et là, je suis sur ma plaque-plaque. Ok, on est pas mal là. C'est parti. T'as vu comme ça change le son quand on arrive dans le minecart ici là? C'est pas mal, hein? Vous saviez pas, hein? Oh, stop, 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 arrête-toi, toi. Allez, laisse-moi sortir. Hop. Merci. Et donc maintenant. Maintenant, faut que je l'amène là-bas. Voilà. Comment qu'on fait? Bonjour. Hé hé, hé hé. Là-bas, ça s'est ouvert. Ok. On est bon. Trop facile, mec. Trop facile. Par contre... Ou alors j'ai très mal regardé. Mais j'ai pas vu de dehors, moi. Hein? J'ai pas vu de outdoor. Texte. Tu te souviens quand je t'ai dit que tu pourrais voir l'extérieur? J'ai menti. Mais l'idée que tu puisses voir l'extérieur t'a fait résoudre le puzzle plus vite que notre dernier testeur. Ne sois pas si surpris. N'oublie pas que c'était un singe quand même. Enfoiré. Enfoiré de merde. Je te hais. Je te déteste. Puzzle 7 sur 5. 15. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Un arc infinité. Un arc infinité. D'accord. On a un certain nombre de trucs qui apparaissent en face. Voyons voir. Ok. Premier coup. Oh là. D'accord.
Un circuit, et je suppose qu'il faut que j'amène le tout jusqu'ici. De la redstone, bien sûr. Et ça, c'est la seule chose. Ah! Poudre de redstone, c'est la seule chose qui puisse détruire la redstone. Bon. Première chose, on a de la redstone qui arrive de là. Donc, on va l'amener sur ici. 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 Ici, ça amène là. Ici, je suis. Non, je suis trop court là. Je suis trop court. Oui, mais attendez, parce que voilà, trop facile. Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous voyez ce que j'ai fait avec les répéteurs ici. J'ai amené le courant d'abord dans cette zone-là, ensuite je l'ai fait tourner ici, et en fait maintenant il crée une boucle, parce qu'en fait chacun des répéteurs là crée un tick de décalage, et par conséquent à chaque fois vous avez une impulsion qui est donnée dans l'ensemble des boucles qui se trouvent là. Donc on a regagné 5 petits morceaux de redstone qui nous permettent tout simplement d'arriver jusqu'à la porte ici, et on a gagné. Wouhou! Oui, je suis un patron, je suis un boss, tout ça, tout ça. Poum, tiki poum, tiki poum, tiki poum. Bref. C'est parti. Évidemment, j'ai plus d'arc. Bon. Texte. Ok, avant que nous n'allions sur le prochain puzzle, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu as peur des hauteurs? Sinon, eh bien, bonne chance pour t'envoler à travers les airs. Si oui, eh ben, bonne chance. Est-ce que j'ai le vertige? Ah! D'accord, je risque d'avoir le vertige. Qu'est-ce que ça me donne ça? Saut amélioré, d'accord, c'est un boost jump. C'est un jump boost. C'est un jump boost. On va attendre de plus l'avoir, voilà. Hop! D'accord. Ici j'ai quelque chose, ça doit être une des Creepy Souls. Ouais! J'en ai eu deux. Ouais. Ouais. On avance bien, hein. On avance bien. Alors par contre, ici j'ai pas pu, donc il faudrait que je monte ici. Tac, tac. Tac. Et que je vois ce qu'il y a là. D'accord. Aïe. C'est parti. Allez, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Hop. 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 Putain, c'est calculé juste. D'accord. Et là, deuxième jump boost. J'ai un coffre là-bas. J'ai un coffre là-bas qu'il va me falloir absolument, j'imagine. Et là-haut, ouais. D'ailleurs, il m'en faudra sans doute deux, parce que je vois qu'il y a deux. Q! Slime ball. Ok. J'ai perdu mon boost. Donc il va falloir que je reparte d'en bas. Ah merde. Voilà, loupé. Loupé, loupé. Par contre, il doit manquer. Là, j'en ai un. Ah oui, le deuxième est là. D'accord. D'accord. J'ai la sortie d'un côté et j'ai l'autre de l'autre. Bon. Allez. En fait, c'est vraiment un truc d'enfoiré. Et là, j'ai besoin de mon jump boost. Bonjour. Ok. J'étais bien parti. Notez, j'étais bien parti. Vous pouvez pas dire le contraire, j'étais super bien parti. Bon, alors, c'est qui le meilleur? Ouais, je sais, c'est pas moi. Mais bon, ça aurait pu, hein. Hop. Voilà. Faudrait que j'arrête de faire ça. Parce que, en fait, sur la vidéo, ça s'entend vachement. C'est pas top. Trop fort. Oh, le fameux point test bouton. Celui sur lequel il fallait appuyer, vous savez, c'était un. Donc, ça doit être l'invente. Maintenant que tu as eu du fun à voler à travers les airs sans faire attention au monde, j'aimerais te demander. Combien de temps peux-tu retenir ta respiration? Comment je peux respirer? C'est intéressant.
Et c'est un checkpoint! Yeah! Bref. Puzzle numéro 5. Des chiottes. Sans déconner, le mec veut me faire. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai un. Pourquoi est-ce que j'ai un. J'ai un truc avec un levier ici. Me dites pas qu'il faut que je revienne après. Ou que j'ai oublié quelque chose. Non, je peux plus oublier quelque chose, puisque là, je suis bien sorti de la salle quand même, oui. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, mettons alors qu'effectivement tout ça m'a pris un peu de temps. Bon. Allez, on essaye. Ok, bon. Jusque-là, ça a été. Commencer par là. C'est la première salle que je vois. Salle. Ok, fermée. Deuxième salle que je vois ici. Sortie. Ok, sortie est là. La sortie est là. Putain, on n'y voit que dalle, quoi. On n'y voit que pouic. Hop. Première slime ball. Ok. Qu'est-ce que Putain, j'ai vu juste le trou, quoi. Oh. C'est tellement n'importe quoi. Je vais tellement mourir comme un gros sale, surtout. À force. Respirer, 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 respirer. Et... Voilà. Bon. Alors, ok. On a vu le premier trou. Est-ce qu'il y a autre chose dans le coin? Non, pas apparemment. Pas apparemment. Ici, c'est bien la sortie. Et ça, c'est l'arrivée sur les toilettes. D'accord. Ah, je suis pas allé voir en haut. Tenez, regardez, on a un truc là. On a un truc là, c'est bon, on va s'en sortir. Justement, I've got my slime ball. Je sais pas trop ce que ça a débloqué, mais j'espère que c'est cette porte-là. Voilà, impeccable. Levier. Ah, d'accord. Grosse respiration et on est reparti dans les toilettes. Merci. Ah merde, j'ai oublié qu'on pouvait respirer ici. Oui, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous en souvenez, le bloc de lapis sur lequel je peux poser ce levier se trouve au tout début. Il est mignon. Et je vais encore me faire mal. Salaud. Allez, on y retourne. Hop. Ah, là, c'est pas trop tôt. Bon. Allez. Rappelle-moi de virer le gars qui a construit cette salle. Je voulais un complexe parcours free. Parce que tu comprends, je ne suis pas sans cœur. Mais non, on doit avoir une salle de parcours parce que toutes les autres complexes de tests ont un parcours. Bonne chance. Du parcours, quoi. Du parcours! Bon, on y croit. Checkpoint. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Moi qui suis un vrai mauvais duo au parcours.
Vous allez pouvoir voir mon skill, c'est bien. Hop. Voilà. Hop. Alors, une. Ah, 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 ah. Bon. Oups. Ok, ok, ok. C'était pas le plus joli qu'on ait pu faire, mais ça aurait pu. Alors bon. Je vois du jump boost en face, donc ça doit être. Parce qu'en fait, je me suis posé la question s'il valait mieux que je saute ou pas. En me disant, mais attends, quand tu sautes, tu montes un peu, donc tu t'infliges encore plus de dégâts. Si ça se trouve, tu vas arriver en étant mort. Alors qu'en fait, si tu sautes pas, tu te pètes la gueule. Et donc, tu arrives en étant encore plus mort. Tu vois ce que je veux dire? Bah. J'ai pas le. Oh putain. D'accord, il est très très court celui-là. Donc il vaut mieux que je sache exactement où je saute. Attends que je calcule. Je vais sauter exactement ici. Non. M'en fous, j'ai mes deux. Bon, alors là j'en ai une. Deux. Une, deux. C'était les plus faciles. Là j'en ai une et là j'en ai une. Bon. Et ben voyons si on est si bon que ça. D'accord. Alors il faut que je retrouve ma touche sneak. Où est-ce qu'elle est? Ah! Mais c'est super complexe! Oh, les fous, toi! Non, mais les gars, vous avez oublié qu'on n'était pas tous des Superman, quoi. Surtout pas moi. Wouhou! Ah, lune, de lune, de lune, vous avez entendu? C'est beau, hein? C'est beau, c'est mon téléphone. Attendez, je le coupe. Parce que ça fait des bruits bizarres après. Qu'est-ce qu'on me dit? Petite seconde, je reviens. Alors, nous y revoilà. Alors, eh ben, on va choisir ce chemin-là. On verra bien ce que ça donne. Ah bah voilà. D'accord. Allez. Bon. Ellipse. Et je vous reprends là parce qu'en fait j'ai continué un peu le parcours là, j'ai fait des multiples fails, on est à peu près une demi-heure après le début de l'ellipse et en fait j'ai commencé à bien m'en sortir sur ce côté là donc voilà, c'est intéressant, hein. fallait bien que vous je vous reprenne à un moment donné et si ça se trouve il y a une chance que voilà, que je trouve une boule de slime sur ce coup là. Alors c'est pas génial ça? On va essayer de pas mourir en descendant. You, voilà. Bon, bah on repart sur le reste. Je vous reprends. Bah attendez, on va essayer tous ensemble, hein, sur celui-là. La dernière boule de la mort. Vous allez voir un petit peu comme je commence à bien maîtriser cette partie-là. Ah non, oh bah je dis ça. Oh bah je dis ça, je fais de la merde. On dirait Alex Click, quoi. Excusez-moi monsieur Click, c'est de ma faute. Bon, ellipse, je vous reprends si j'arrive sur celui-là, là, le deuxième bloc de stand. Bah, ciao. Ah,
Re, je vous reprends donc juste après les blocs de Solson. Alors, c'est pas la première fois que j'arrive jusque-là. Vous avez pu voir juste avant un petit best, mais enfin un petit best, un petit résumé, un petit peu de ma rage extrême qui s'amoncelle petit à petit. Mais bref, j'ai déjà passé ce truc-là. Je suis déjà arrivé jusqu'à ce bloc-là et j'ai loupé le dernier saut, bien sûr, parce que faut pas déconner. Donc donc on se lance, voilà, sur la dernière partie. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Celui-là va être compliqué. Voilà, ne pas se louper. Est-ce que je peux pas... Wouhou! I've got the ball, I've got the ball, I've got the ball. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bref. Donc... Oui, j'ai failli mourir, je m'en fous en fait, je m'en fous, j'ai passé tellement de temps à faire cette merde. Voilà. Comment ça tute? Oh, arrêtez les conneries toi. Hein. Je te préviens, hein. Mal se passer moi. Hein. Appeler ton père, papa slime, tout ça. Expliquer ma façon de penser moi. Non mais, sagouin. Alléluia! Ah, on va se dépêcher, parce qu'on sait jamais. Achievement unlocked for science. Ouh, ça doit être un clear inventory. Voilà. Et avant de passer sur cette prochaine dalle, étant donné toute la difficulté que ça a été, pour réussir à faire ces petites épreuves, on va s'arrêter là pour cette fois. Je vais avoir un gros travail de montage en plus, donc je vous dis un gros bisou à tous. On se voit la prochaine fois. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez un petit peu ce que je fais, de partager, de liker, de commenter, ça aide toujours, c'est toujours sympa. N'hésitez pas non plus à me dire ce qui va pas si jamais vous trouvez des choses qui ne vont pas, et il doit y en avoir quelques-uns, comme par exemple mon skill perdu. Et on se revoit sur la prochaine épisode et la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous, bisous, bisous!